pense qu'il y en a une juste là. Bah, c'est... Nous irons au bois. C'est quoi la chanson? Un, deux, trois, nous irons au bois. Ah, bonjour. On se retrouve en forêt? Oui, au forêt. En effet, c'est la dernière partie du paysage français que je marche maintenant, après avoir passé presque 950 km du paysage français. Parti de Marseille le 15 avril, donc ça fait un peu plus de 2 mois. Puis après Marseille, on a marché à Salon-de-Provence, puis Avignon. Et puis à Avignon, on a marché à côté de la rivière, la Rhône, jusqu'à Lyon. Et puis on a pris la Saône jusqu'à Chalon-sur-Saône. Puis la partie la plus difficile, c'était de traverser les collines de Bourgogne, le Morvan. Puis on est allé à Avallon. Par Avallon, on a pris la rivière là-bas qui s'appelle le Cusin, je pense. Et le Cusin devient la Cure. La Cure devient la Yonne et puis la Seine. Et donc, la plupart du trajet, c'était à côté des rivières. Et ça, c'est assez simple parce que c'est plat. Cette girafe s'est faite en fibre de carbone. Donc, le squelette et le carton, la marionnette, elle pèse 9 kg. Mais c'est plus le sac à dos qui contient... mon sac de couchage, mon tente et tout ça. Et donc ensemble, c'est 15 kg. Daisy et moi, on a construit 6 pots avant d'aller ici en France. Et puis la peau, c'est remplaçable. On peut enlever la peau et mettre une nouvelle. Et chaque fois, on fait des peintures et on fait des ateliers gratuits avec, par exemple, les écoles maternelles ou les espaces seniors ou même juste tout public dans les grandes places. Nu dans les bois, pendant que la lune n'y est pas. Nous sommes dans le splendide muséum d'histoire naturelle de La Rochelle. Nous avons rendez-vous avec un invité prestigieux, Zarafa. Zarafa est le cadeau de l'Égypte à la France en 1826. C'est le pacha d'Égypte qui a décidé de faire ce cadeau au roi de France, Charles X. Zarafa, c'est une girafe. Elle est sans doute capturée quand elle a quelques mois, autour de 1824, dans le désert du Kordofan, qui est l'actuel Soudan. Et ensuite, elle va être présentée au Caire, au Pacha d'Égypte, avant d'être amenée jusqu'au port d'Alexandrie. En vérité, il n'y a pas de cadeau gratuit entre pays. Zarafa, c'est un cadeau diplomatique, puisqu'à l'époque se déroule une guerre, la guerre d'indépendance grecque. Or, tout cet ensemble méditerranéen fait partie à l'époque de l'Empire ottoman, y compris l'Égypte. Et le pacha d'Égypte fait cette chose très étrange, il a une sorte de double jeu. Il va envoyer son fils pour prêter main forte aux Turcs pour tenter d'étouffer la tentative d'indépendance grecque. Et de l'autre main, il va faire un cadeau aux puissances européennes, la France, l'Angleterre, et l'Autriche vont toutes recevoir une girafe. Et l'idée du pacha d'Égypte, c'était de récupérer les bonnes grâces des puissances européennes, car il savait que si un jour il voulait être indépendant à son tour de l'Empire ottoman, il aurait besoin des puissances européennes. Une fois au port d'Alexandrie, Zarafa va être chargé sur un bateau qu'on appelle un brigantin. On l'a fait rentrer par la cale et on va devoir découper un carré sur le pont pour que le cou puisse émerger de la cale. Au-dessus de sa tête, on va aussi installer un dais qui va la protéger des embruns, du soleil, de la pluie. Et elle va comme ça traverser la mer Méditerranée sans encombre pendant un mois. Le seul dommage, finalement, ce sera une des vaches qui l'accompagne dans ce périple, qui verra son lait se tarir. Elle avait sans doute le mal de mer. Pourquoi des vaches? Parce que Zarafa était encore jeune et elle n'était pas sevrée. Elle va donc ainsi arriver en octobre 1826 au port de Marseille. Juste au point de vue anecdotique, souvent on dit dans les livres qu'il n'y avait jamais eu de girafe
en Europe avant cette girafe-là. C'est pas vrai, il y en a eu. Laurent de Médicis avait une girafe à Florence. Je ferme la parenthèse sur cette petite précision historique. À son arrivée au port de Marseille, Zarafa ne débarque pas tout de suite sur le port parce qu'elle est mise en quarantaine, plus exactement une quatorzaine. Elle va rester 2 semaines dans le lazaret pour vérifier qu'elle n'a pas de maladie. Et ensuite, elle va être accueillie par le préfet des Bouches-du-Rhône à la préfecture de Marseille dans une écurie spécialement conçue à sa démesure où elle va rester pendant 6 mois en attendant le retour des beaux jours au printemps. Elle va, le préfet, ou plutôt son épouse, ne va pas perdre de temps puisqu'elle va organiser des dîners à la girafe qui seront des sortes de rendez-vous mondains. Et après le dîner, à la lueur des flambeaux, on ira découvrir le bel animal du roi. Du côté de Zarafa, ces 6 mois sont mis à profit pour faire des promenades. C'est ainsi que les Marseillais vont la découvrir de plus près. Et l'intérêt, c'est qu'elle gagne en vigueur musculaire, mais aussi qu'elle s'adapte au public humain et qu'elle n'ait pas trop peur, qu'elle gagne en docilité. Parce que ce n'est pas la fin du voyage. Un nouveau périple l'attend. Lorsque Zarafa est encore au lazaret, la rumeur court que la fameuse tarasque, cet animal monstrueux, mythique, est revenue. Et en vérité, lorsque les Marseillais vont la voir, on raconte que les Marseillaises, certaines sont tombées dans les pommes. Pourquoi ? Parce qu'elles ont cru que cette langue préhensile de 50 cm de long qui sortait de sa gueule, d'une couleur bleutée, était en fait une anguille. En avril 1827, arrive à Marseille le célèbre naturaliste Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Il est dépêché par la direction du Muséum d'Histoire Naturelle Nationale de Paris pour organiser la remontée de Zarafa. Et donc, c'est bien la question qui se pose maintenant, comment va-t-on la remonter jusqu'au roi ? Étienne Geoffroy Saint-Hilaire est né à Étampes. Son père était juge à Étampes, donc une petite bourgeoisie où il a eu une enfance, disons, heureuse. Il était au départ, ses parents le destinaient à la prêtrise. Mais on arrivait juste avant la Révolution et tout d'un coup, il a tout laissé tomber. Il a voulu plutôt se tourner vers la médecine. Mais c'était un élève extrêmement doué. Il s'intéressait énormément à la cristallographie. Et c'est au moment où René Juste Ahuy, qui était à l'Académie des sciences et qui était prêtre, découvre les lois qui vont fonder la cristallographie moderne. C'était un grand cristallographe. Et Étienne Geoffroy Saint-Hilaire va être son plus jeune élève. Il va se passer une chose étonnante en 92. René Juste Ahuy, qui était prêtre, se fait arrêter. C'est au moment de ce qui va être les massacres de septembre, au moment de la Révolution. Et Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, qui sent que René Juste Ahuy est vraiment proche de la tombe, eh bien, va se déguiser en officier et va le faire sortir de prison. Donc ça fait un personnage un peu de roman. Et qu'est-ce qui va se passer l'année suivante ? Va se passer que Monge en particulier, au moment de la Convention, va redéfinir le Muséum d'Histoire Naturelle. Et en fait, René Juste Ahuy va pousser Étienne Geoffroy Saint-Hilaire à prendre une chaire au Muséum. Et voilà un cristallographe qui va se trouver professeur au Muséum à 21 ans, alors que, disons, soyons clairs, ce n'est pas un très bon zoologiste à l'époque. Je pensais que les girafes, elles mangeaient en hauteur. Effectivement. Alors le panier, quand j'aurai fini de remplir la luzerne, il sera complètement remonté en haut. Donc elle mange effectivement. Une girafe, ça mange à peu près une quantité de 20 à 30 kilos de feuillage par individu. Voilà.
Le foin et la luzerne, c'est pas du tout la même chose. Le foin, c'est de l'herbe séchée qu'on va donner par exemple aux zèbres. La luzerne, c'est des feuilles séchées. Donc la girafe, elle est folivore, donc elle mange vraiment que des feuilles séchées.